l'un des tout grands spécialistes mondiaux des anneaux. Pas de Français, bien sûr, dans cette finale des anneaux. Les Français se sont qualifiés aux barres parallèles et à la barre fixe. Florent Marais, Yann Kuchera au parallèle, Dimitri Karbanenko et Florent Marais de nouveau, qui a réalisé la meilleure performance lors des qualifications. Champion olympique des anneaux, cela fait 10 ans que Solani gagne des médailles à cet agrès. Oui, la série de force. Magnifique. Vous pouvez faire l'étude anatomique des bras, des avant-bras, des épaules. Chez Solani. Croix de fer renversée, aucun balancé des anneaux. Position parfaite. Oh là là, magnifique. Équilibre par la planche, bras fléchis. Grand tour en lune. Soleil passé et la sortie double arrière tendue. Bien stabilisé également comme les concurrents précédents. Devrait prendre la tête avec cet exercice Sylvester Solani. Sans doute l'exercice le plus pur depuis le début. Regardez cette musculature. Là, il aurait peut-être pu tenir une petite seconde de plus pour impressionner. Et cela devrait être de toute manière suffisant pour prendre la première place du classement intermédiaire dans cette finale très très disputée, qui, comme nous l'avions prédit, Patrick, va crescendo dans les forces, notamment. Très très gros niveau. La note de Xolani, 9,725. Il prend la tête devant Andrea Coppolino et le russe, l'ukrainien Vialtsev.